économie. Nelimane Mendil, bonjour. Bonjour Hakim. On déroule avec vous le fil de l'actualité économique. On commence par cette actualité brûlante. Génocide mené sur la bande de Gaza, des milliers de Palestiniens qui sont tombés en martyr à Gaza, qui est devenue poussière. Avec des armes qui coûtent pour la plus chère dans les 2 000 $ l'unité, les Palestiniens affrontent une armée dotée des dernières technologies en matière d'armement, d'une artillerie à coût de dizaines de milliards de dollars. Et malgré ce déséquilibre flagrant, les combattants palestiniens ont pu causer d'importantes pertes à l'entité sioniste. Bien qu'il soit encore difficile de faire une évaluation précise, vu l'évolution rapide et imprévisible de la situation, des estimations préliminaires ont été établies. Selon une institution financière de l'entité sioniste, les pertes enregistrées en une semaine sont d'environ 1,5% du PIB, l'équivalent de 7 milliards de dollars. C'est les pertes les plus élevées occasionnées à l'occupant sioniste depuis la guerre d'octobre 1973. Des économistes estiment les dommages occasionnés par le génocide mené sur Gaza représentent déjà le double des pertes financières subies en 2006 lors des agressions du Sud-Liban, une agression qui, rappelons-le, a duré 34 jours. Le shekel, monnaie de l'entité, est à son plus bas niveau depuis décembre 2015. La presse locale et les analystes économiques craignent que Tofan al-Aqsa noie l'économie sioniste. On écoute à ce propos Rima Rouibi, enseignante-chercheur à l'École supérieure de journalisme. En termes d'intensité, c'est pratiquement un quart d'une bombe atomique qui a été larguée sur la bande de Gaza. C'est l'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme qui l'a révélé. Les pertes sont considérables et celle-ci a un coût également. L'économiste israélien Guy Baitor a d'ailleurs expliqué qu'Israël est entré en guerre contre le Hamas à un moment où la dynamique de croissance économique s'est affaiblie ces derniers mois. Et la charge d'intérêt élevée a commencé à peser sur les ménages et les détenteurs de prêts immobiliers. Début octobre, la Banque centrale d'Israël a annoncé un plan visant à vendre jusqu'à 30 milliards de dollars de devises étrangères afin de protéger le shekel de l'effondrement. Ce sont les Occidentaux qui vont bien évidemment gonfler les caisses israéliennes. Après l'appel de 300 000 réservistes par l'armée sioniste, c'est un autre problème qui risque de se poser pour l'économie de l'entité, celui de la pénurie de main-d'œuvre, Hakim. Et on le disait depuis le début du génocide, le marché énergétique qui suit de près la situation géopolitique. Les cours du pétrole restent d'ailleurs craintifs. Le baril de Brent tourne autour de 90 $. Le Sahara Blend, référence du pétrole pour le pétrole algérien, est à plus de 93 $. Les analystes continuent à tenter d'anticiper comment pourrait évoluer le conflit et les risques pour l'approvisionnement pétrolier pour le gaz. Le cours européen est en légère baisse, il affiche environ 51 € le mégawattheure. Là aussi, le marché reste hésitant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il y a cette incertitude et ce risque persistant dans le marché du gaz, notamment pour l'hiver qui arrive dans les pays du Nord. Un hiver qui approche alors qu'une grève paralyse une partie d'une importante usine Chevron de GNL en Australie, que des perturbations sont enregistrées suite à l'arrêt de production du champ gazier de Tamar au large des côtes palestiniennes occupées et avec l'impact de la fermeture des vannes de gazoduc reliant la Finlande à l'Estonie en mer Baltique. L'installation a été endommagée il y a de cela moins d'une semaine. Place à présent à l'actualité économique nationale et on commence par cette annonce relative à l'irrigation. On parlait hier des difficultés qu'ont certains agriculteurs pour avoir accès à l'eau. Eh bien, une ébauche de solutions est évoquée. Il s'agit de l'utilisation des eaux usées épurées dans l'irrigation agricole. Une convention sera bientôt signée entre le secteur de l'agriculture et celui de l'hydraulique. Elle devrait généraliser et encadrer la réutilisation des eaux usées dans les activités agricoles en toute sécurité. On rappelle que l'Algérie se situe dans une zone aride, à semi-aride, donc où la quantité d'eau renouvelable est très faible, d'où la nécessité d'aller vers la réutilisation de ces eaux dans le secteur agricole. Toujours l'actualité nationale, ce rendez-vous des sous-traitants industriels qui a ouvert ses portes hier à la SAFEX. C'est la 8e édition du Salon international de la sous-traitance industrielle. 100 exposants prennent part à l'événement. Il représente divers secteurs d'activité. C'est un salon organisé par la Bourse algérienne de la sous-traitance. Et lors de l'inauguration, le président du CREA a mentionné que ce salon permettra de développer la chaîne de valeur des différentes filières industrielles
à travers la promotion de l'intégration nationale. Il a d'ailleurs rappelé les grandes entreprises qui importent encore des produits à solliciter les sociétés dotées de capacités industrielles et technologiques nécessaires pour fabriquer leurs matières premières en Algérie. Et on termine avec la réunion annuelle du FMI et de la Banque mondiale, réunion clôturée. Quelques informations à retenir. Alors ce qu'il faut retenir, eh bien tout d'abord, c'est ces pays membres du FMI qui se sentent engagés à augmenter leur quote-part d'ici la fin de l'année afin de garantir que le fonds dispose d'une puissance de prêt suffisante pour faire face à une nouvelle crise de grande ampleur, d'autant que l'économie mondiale reste boiteuse. Les nouvelles perspectives du FMI signées avant le génocide sur Gaza prévoient un ralentissement de la croissance économique mondiale. L'inflation devrait baisser, mais elle restera à des taux élevés. Elle avoisinera toujours les 6%. Les taux d'intérêt élevés placeront certains emprunteurs dans une situation plus précaire. C'est ce qu'avertit, c'est l'avertissement lancé par le FMI dans son rapport sur la stabilité financière dans le monde. Il estime que plus de 30% des banques, dont certaines des plus développées, seraient vulnérables si l'économie mondiale entrait dans une période prolongée de faible croissance. Et enfin, cette déclaration à retenir, celle de la responsable du bureau d'Oxfam International à Washington. Elle affirme, je cite, « Le grand thème de cette semaine est celui des pays du G7 qui se contentent de colmater les fissures des promesses brisées ». Fin de citation. Ouais, l'essentiel de l'actualité à retenir pour ce mardi. Merci, Nalimen Mendil.